and dignity. Stand up for Africa. Africa, Muyeria. Rise up, Africans, rise. Rise up. Okay. We are rising for our dignity, rising for the peace of the motherland, rising for equal rights and justice of the world. Welcome, welcome, welcome. My name is Kumba. Bienvenue, bienvenue. Je m'appelle Kumba Touré. Je suis l'un des coordonnateurs, de African Rising pour la paix, la justice, la paix et la dignité. J'aimerais remercier tout chacun de vous. Je vois que vous êtes plusieurs à vous connecter sur Zoom, un peu moins d'une centaine. Je voudrais vous remercier tout d'abord de vous être connecté. Je voudrais remercier ceux qui sont sur Facebook Live. Je vous invite à partager le lien dans vos réseaux pour que plus de personnes puissent se connecter. Africans Rising pour la justice, la paix et la dignité est un mouvement panafricain de personnes, d'organisations, de mouvements sur le continent et dans la diaspora africaine. Aujourd'hui, nous sommes plus de 800 institutions ou organisations qui nous réunissent, et également des individus. Plus de 30 000 personnes qui partagent une idée qui consiste à partager la solidarité parmi les Africains où qu'ils se trouvent. Donc, pour nous soutenir mutuellement, quel que soit là où nous sommes dans le monde. Aujourd'hui, nous hébergeons cette conversation. Donc, c'est une conversation que nous avons planifiée. On ne se demandait comment faire que ce soit possible, le rendre possible. Donc, nous souhaitons la bienvenue à des gens, de bonnes gens qui peuvent nous dire, qui peuvent nous donner quelques idées sur la marche à suivre. Donc, je dis seulement une chose concernant Heidi. J'espère que vous le connaissez tous, Heidi. Mais il est important que nous ramenions les choses toujours au fait que la République d'Haïti est la première République noire qui est devenue indépendante dans ce monde. Donc, c'est la seule république indépendante donc des territoires francophones dans les Caraïbes. Nous devons nous en souvenir. Nous devons enseigner à nos enfants ceci pour qu'ils sachent pourquoi nous sommes encore ici aujourd'hui pour nous demander pourquoi il y a encore la justice et l'injustice aujourd'hui. J'aimerais présenter ou introduire Walter Turner. Il sera votre hôte. Il sera celui qui réellement va nous guider dans cette discussion. Il a beaucoup de choses à dire. Donc, beaucoup de choses à dire. Walter Turner didn't want me to say much about him because this is not about him. Je ne peux pas dire. But I have to say that he is. Je voudrais dire qu'il est le président du Conseil d'échange public. Il est connu pour avoir hébergé pendant plusieurs décennies un programme radio qu'on appelle Afrique aujourd'hui. Mais il est surtout connu
pour être en solidarité avec les Africains. Il est solidaire avec les Africains partout, que ce soit sur le continent, que ce soit dans, au niveau de la diaspora, ils ont été, il n'y a aucun moment, critique. Son mouvement touche les Africains. Donc, il s'est toujours impliqué pour donner de la visibilité, pour parler aux gens, parler aux gens. Alors, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue encore, et je vous dis merci. Notre programme va se passer en anglais. Nous avons permis une interprétation en français. On a prévu ça, donc vous pouvez choisir donc, de vous inscrire en anglais. Donc, vous nous connectez, vous soyez connecté par Zoom. Sur Zoom, vous avez un bouton où vous pouvez suivre l'interprétation simultanée. Une fois encore, je vous remercie d'être connecté à nous, ce qui nous réunit ensemble. La principale question que nous posons en tant qu'African Rising, c'est le comment. Comment est-ce que nous pouvons être solidaires avec les populations d'Haïti qui aiment la justice, qui sont résilients et qui ont souffert donc, depuis très, très, très longtemps. Donc, il n'y a aucun lieu sur la terre où les Noirs, les Africains ont souffert plus que Haïti, parce que l'Afrique, l'Haïti peut être peut-être les plats, les lieux les plus chauds. Donc, une fois encore, je vous remercie. Walter, vous avez la parole. Merci, Jean-Marc Komba. Merci beaucoup, Komba. Merci pour la gentille introduction que vous avez faite. J'ai l'honneur d'être participé à ce webinaire. Je voudrais introduire, présenter notre hôte aujourd'hui. Je vais servir de modérateur dans le cadre du programme d'aujourd'hui sur l'IT. Donc, Margaret Kashpa va nous rejoindre. Elle est cofondatrice. Donc, chaque mère et mère travaillante. Donc, elle a dirigé le groupe sur Haïti. Elle est hôte sur le programme national, l'émission nationale de radio que vous suivez le jeudi le vendredi sur KPL Radio à Los Angeles. Donc, elle a été activiste. Elle est écoutée par beaucoup de gens. Donc, Pierre Lebossier aussi nous a rejoint. Elle a été une actrice sur Haïti et sur la question des droits de l'homme. Elle a participé au comité de Haïti. Elle est co-fondatrice depuis 1991. Donc nous allons démarrer le programme d'aujourd'hui par deux vidéos sur quelqu'un que nous ne connaissons probablement pas, mais peut-être que certains d'autres le connaissent. On l'appelle Benito Silva. Il est avocat et diplomate. Et c'est lui donc, qui a créé le Congrès panafricain de 1900. Il est un communicateur actif avec WD Voice sur la question telle que le mouvement négro aux États-Unis et le mouvement de la résistance, donc, qui est court en Éthiopie contre l'évasion italienne. Donc, nous allons voir cette vidéo et nous allons revenir juste après. Marie-Joseph Benoît d'Artagnan Sylvain, dit Benito Sylvain. Journaliste, docteur en droit et écrivain haïtien, il fut formé à Port-au-Prince et à Paris.
Nommé en 1889 secrétaire de la Légation d'Haïti à Londres, il abandonne ce poste diplomatique en 1890 pour créer à Paris le journal La Fraternité, organe de défense des intérêts d'Haïti et de la race noire. Durant la même période, il participe aux conférences anti-esclavagistes de Bruxelles. Nommé en 1893 enseigne de vaisseau de la marine de guerre haïtienne, il s'installe ensuite à Paris. Depuis son poste de président du comité oriental africain de la Société d'ethnologie, il suit la victoire de l'Éthiopie de l'empereur Ménélique II contre les Italiens à Adwa en 1896. En janvier 1897, il entreprend un périple au péril de sa vie pour rejoindre l'Éthiopie afin d'exposer en audience devant l'empereur Ménélique II la situation d'Haïti et des Noirs en Amérique. Devenu son aide de camp, il tente de rapprocher Haïti, le Libéria et l'Éthiopie, les trois premiers États indépendants, pour constituer une coalition politique. En 1900, il est délégué de l'Éthiopie et d'Haïti à la conférence panafricaine qu'il co-organise avec Henry Sylvester Williams et Anthénor Firmin. En 1901, il publie un livre intitulé « Du sort des indigènes dans les colonies d'exploitation » qui était à l'origine sa thèse de doctorat en droit présentée en 1899 à la faculté de Paris. C'est un ouvrage fondamental à la compréhension des origines du mouvement panafricain. En 1905, il crée à Rome, en Italie, l'œuvre de relèvement social des Noirs, et au Canada plus tard, il fonde l'Étoile africaine pour combattre le préjugé de couleur qui sévissait dans tous les lieux publics du territoire nord-américain. Il est mort en 1915, à l'âge de 47 ans. Homme de valeur qui faisait toujours honneur à son pays, qu'il a constamment défendu à l'étranger, Benito Silva a combattu le préjugé de couleur et a consacré sa vie à l'émancipation des peuples noirs. Considéré comme l'un des pères du panafricanisme, Benito Silva mit un point d'honneur à faire le lien entre les afro-descendants et les Africains dans un esprit de résistance au colonialisme européen. Pour aller plus loin, je vous conseille les livres suivants. Africa Unite, une histoire du panafricanisme, d'Hamza Boukari Yabara. La naissance du panafricanisme, les racines caraïbes, américaines et africaines du mouvement au XIXe siècle d'Oruno Lara, dans lequel vous trouverez le rapport de Benito Silva sur la conférence panafricaine de 1900. We wanted to start today to make sure that we frame of context of Pan-Africanism. Nous avons voulu commencer par le contexte francophone. Nous présentons nos excuses pour la capacité donc de certaines personnes à ne pas comprendre le français, à faire des jobs bref, qu'on appelle Pacha, les difficultés techniques donc que le Caraïbes et l'Haïti a connu. Notre but aujourd'hui, c'est de vous permettre d'avoir des informations, aussi, autant d'informations que possible pour l'engagement des activistes. Pendant quelques années, l'Haïti a été donc dans le radar. Mais il nous faut davantage. Nous allons partager des liens pour que vous puissiez donc vous informer. Nous allons pouvoir poursuivre. Sans perdre de temps, nous allons démarrer notre discussion. Donc, sur les événements des derniers deux jours, c'est-à-dire l'assassinat du président Jovenel Moïse d'Haïti, donc qui a été président depuis 2016. Après cela, nous allons parler un peu de, donc, du groupe, nous allons parler, donc, de l'occupation, nous allons parler, donc, des dérogations auxquelles nos groupes, vos autres ont participé, également, l'histoire de Patrick Korebe. Nous voulons donc mettre cela dans le contexte du panafricanisme et le co-modérateur, comme à Touré, a remarqué ce que nous pouvons faire pour impliquer davantage de personnes sur cette question. Comment nous assurer que Haïti n'est pas un sujet dont il faut parler éternellement. Donc, sur la base de l'histoire de Haïti, mais sur la base de l'humanité. Donc, nous allons démarrer notre discussion. Je donne la parole à Pierre Lebossier. Donc, je vais vous donner donc des informations sur lui, qui est Juvenal Moïse. Je vais mettre sa présidence dans le contexte. Vous savez, l'Haïti est dans un état de siège. Il y a eu des réunions spéciales des Nations Unies à ce sujet. Il va nous donner quelques informations, quelques backgrounds, et où allons-nous? Et ensuite, nous allons parler à Margaret Cascraft. Pierre, vous avez la parole, tout d'abord. You're muted, Pierre. Vous êtes en sourdine. Ouais.
Vous êtes en sourdine, Pierre? You're still muted. Vous êtes toujours en sourdine. OK. Should be OK there. Ah oui, ben ça doit... maintenant c'est bon. And thank you so much for Africans Rising. Ouais, merci. Merci pour Africans Rising d'avoir organisé ce webinaire. Merci pour l'introduction et je remercie tout le monde, pour tous ceux qui regardent. Je suis ravi d'être avec vous pour discuter de l'Haïti, de ce qui se passe naturellement, donc de notre situation en tant qu'Africains sur le continent et dans la diaspora. Avec Haïti, je sais que vous voulez que je commence par Jovenel Moïse et son assassinat. Mais brièvement, donc je vais mettre cela en contexte, dans le contexte de la lutte générale qui a cours depuis la fondation de Haïti, depuis le kidnapping en fait, donc dans ma patrie. Nos populations ont toujours lutté pour la dignité, pour la justice, pour la libération. C'est ce qui donc nous sert donc le cadre pour l'assassinat de Jovenel Moïse. Et la lutte, la poursuite de la lutte de nos populations dans la paix, donc pour la quête de la justice et la prospérité. Donc ce que certains appellent le néocolonialisme, mais c'est toujours le colonialisme qui séquestre les gens. Jovenel Moïse, c'est ce que, donc c'est, il est dans une série de chefs d'État en Haïti qui sont là, donc en sa capacité de dirigeant. Donc, il a obéi donc aux volontés des colons. Et il demande aux populations de Haïti, ils ont à exproprier leurs propriétés, les fonciers, la terre. Donc, plus de 7000 personnes ont été expoliées, donc ont été déplacées parce que à cause de la répression, et des meurtres, des atrocités qui ont été commises par ce qu'on appelle les gangs, mais des gangs qui ont été. On a eu beaucoup de problèmes avec les membres de sa coalition. Et donc, certains d'entre eux étaient très puissants. À cette époque, personne ne savait d'où venait cet assassinat. Il y a beaucoup de théories à ce sujet. Mais c'est ce qui se passe, et apparemment, il y a deux nuits, lorsqu'il était à la maison, donc à environ une heure, selon le matin, donc selon les rapports dans les médias, il semble que son assassin est entré dans son domicile et l'a tué. Et donc sa femme a été blessée, et maintenant, elle reçoit un traitement, des soins à l'hôpital. Donc actuellement, hier, je parlais aux gens en Haïti, donc dans la ville, les rues sont désertes, sauf une ville au nord de l'Haïti, donc qui est vers sa ville natale, où il y avait donc un endroit qui montre que les gens célébraient son meurtre. Donc, il était content de son assassinat. Je crois que c'est la raison, c'est que l'homme, en fait, les gens auraient normalement été attristés. Mais ça m'a choqué de voir cette vidéo que les gens se réjouissaient. Donc, j'ai voulu mettre ça dans le contexte pour montrer une idée de ce qui se passe. Donc, ce que le core group et les Nations Unies, comment est-ce que les Nations Unies vont profiter de cette situation pour poursuivre leur oppression. Donc, Margaret Prescott, vous allez parler. Donc, des événements récents en Haïti. Vous avez voyagé sur l'Haïti plusieurs fois. Margaret, quelles sont vos idées? Donc, merci, Walter. Donc, je remercie Africa Rising, Combat Maurice et toute l'équipe, certainement. J'ai couvert le travail de Africa Rising. Aujourd'hui, je vais parler, je représenterai non pas le CHOP, mais le réseau des femmes. Dans le cadre du travail que je fais en Haïti, qui est Global Group en Haïti, donc je dirais qu'avant de parler des événements, qui est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous représentons? Je vais également parler de Guyana, notre sœur. Donc, elle est membre du groupe dans Haïti. Nous l'avons perdu
il y a environ quelques années. Et elle et moi, ensemble, nous travaillons avec Summer Jen. Donc, vous avez certainement parlé de CLAJ. Donc, vous avez certainement entendu parler de la révolution haïtienne. Donc, ça, c'est suivant, donc, ça suivait donc l'élection de Jean-Bertrand Aristide, qui est le premier président démocratique en Haïti. Pour mettre les choses en contexte, en tant que personne caribéenne, je suis de la Barbade. Donc, Haïti a été un membre important de la région Caraïbe. Dans la région américaine même. Je vais même citer ce que moi et Dana nous avons écrit. Toutes les populations caribéennes ont une expérience donc, de la domination américaine et de la subversion dans cette région. Ils ont toujours compris que ce qui va passer en Haïti reflète bien que ce nous ayons, donc nous gagnons ou perdons notre lutte pour être libre. Haïti a été utilisé comme exemple, comme ce qui peut être fait pour le reste d'entre nous, si nous osons faire ce que les Haïtiens ont fait si brillamment pour vaincre les pouvoirs coloniaux ou les colons. Donc, que ce soit Trinidad ou Tobago, donc on écrit la grande histoire de la révolution haïtienne, la transformation. Le tremblement a fait trembler des centaines. Donc, pour que les gens soient en mesure de s'organiser pour vaincre les nations les plus puissantes de leur jour. Et c'est l'un des plus grands épiques de la lutte révolutionnaire. Fin de citation. Nous avons toujours pensé profondément que nous devons défendre Haïti parce que Haïti nous appartient et nous devons agir maintenant. Donc, cela a été écrit depuis 2004, Walter et tout le monde. Donc, je suis un peu émotif. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant en ce qui concerne Haïti et c'est bouleversant de voir ce que la situation sur le terrain représente. Mais vous pouvez vous rendre compte que cela fait allusion à ce qui se passe aujourd'hui en termes d'assassinat, de l'assassinat du président. Beaucoup de gens ne sont pas surpris. Nous savons que c'est un moment très dangereux, comme cela a été déjà. Walter a parlé un peu de comment ça a été célébré au Nord. Mais on est préoccupé de savoir ce qui va se passer après. On a un premier ministre. Vous savez, il a été donc fonctionne donc sans parlement. Il y a un premier ministre qui a déclaré l'état de siège. Vous avez un autre premier ministre qui a été nommé par Moïse avant son assassinat pour dire que donc cet homme n'est pas légitime. Les Nations Unies, comme vous l'avez dit, donc le président Biden donc a émis une déclaration de préoccupation et envoyé au Congrès américain, elle a fait partie donc des élus qui ont émis des déclarations sur Haïti. Donc, mais notre personne clé dans au Congrès américain, c'est la personne qui est auquel les gens font confiance en Haïti par les professeurs à la base. On appelle comme Maxim Orders. Il a émis une déclaration brève, comme je l'ai dit, donc de la déclaration 11. Donc, mais il y a une inquiétude au sujet de ce que les Nations Unies vont faire ensuite, parce que nous savons que Haïti a été occupé par les Nations Unies, essentiellement par les États-Unis et les Nations Unies. Donc cela n'a apporté aucun bien aux populations, donc cela a apporté de choléra aux populations haïtiennes, les jeunes filles ont été engrossées, ont été victimes d'abus, etc., etc. Il n'y a pas de rivalité pour ça. Donc, il y a des inquiétudes par rapport aux confusions sur cet assassinat, comme Pierre l'a dit, qui sait, personne ne sait l'avenir, qui est derrière ça, on ne sait pas encore, mais on peut avoir des idées. L'occasion, donc la confusion, donc sera utilisée pour créer, donc l'embrouillamini sera utilisé pour créer plus d'intervention internationale sur Haïti.
Donc pour étendre l'occupation au nom de la sécurité. Donc, au lieu de prendre le leadership et la direction du mouvement pour la liberté et la justice en Haïti. Donc nous allons attendre pour voir comment est-ce que cela va se passer. Mais nous devons ouvrir les yeux. Devant, derrière, à gauche, à droite, pour voir ce qui se passe sur Haïti. Au fur et à mesure que le programme se poursuit, nous allons discuter davantage de pourquoi les États-Unis et les colons ont un tel intérêt dans la poursuite de la répression du mouvement pour la justice en Haïti. Merci. Merci, Margaret. Donnez donc à ceux qui sont sur Zoom et Facebook un background. Peut-être nous allons revenir, on ne peut pas repartir pour couvrir tout le domaine aujourd'hui. Donc on repart à l'élection de 2011 de Martoli, et ensuite à la formation du PSIK, le parti de Martoli, et de Jules Bernard Moïse. Donc, cela nous donne une idée de comment est-ce que Juvenal Moïse a été au pouvoir, et nous allons aborder l'idée de l'occupation. Quel est le Congo? Donc, quel rôle il joue et quel... Pierre, vous pouvez en parler? Oui, donc cette situation en Haïti, donc nous parlons de 2004, de l'année 2004 nous donne en fait le point de départ. En février 2004, le président Aristide a été kidnappé dans un coup d'État, donc a été organisé par les Français, les Canadiens et les forces spéciales. Donc, kidnappé notre président. Donc, il a commencé en 2001, et on l'a kidnappé après 3 ans de pouvoir, et depuis le jour. L'a été sous occupation des Nations Unies. Les avantages démocratiques ont été perdus par rapport à l'amélioration de la condition de vie ou d'existence, par rapport à la prise de décision, par rapport aux décisions qui affecteront leur vie présente et leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que il fait payer les impôts. Comment est-ce qu'il paye les impôts? Comment distribuer cela? Les hôpitaux à construire, l'eau potable à rendre accessible à la population, l'appui aux paysans pour l'agriculture locale. Et c'est ce que le président du gouvernement Aristide essayait de mettre en œuvre des programmes de ce genre pour changer le pays. La main des dictateurs Duvalier a été suivie par 7 ans de dictature militaire. Et cette marche de démocratie, la marche de justice, a été brutalement arrêtée depuis lors. Les Canadiens ont occupé Haïti sous la bannière des Nations Unies. Et ensuite, il y a eu des régressions, la misère pour les populations. Et nos populations n'ont jamais accepté cela. Donc, ils sont levés. Donc, il y a eu des marches sur des marches. En 2010, au tremblement de terre, les États-Unis poussaient, pour que les élections soient organisées. Mais là, ils utilisent le mot élection, c'est pour tromper les gens, parce qu'en fait, c'est pas une élection. Les gens défilaient. C'est comme s'ils participaient aux élections, mais la décision est déjà prise par rapport à qui ils veulent mettre au pouvoir. Et Hillary Clinton, en tant que secrétaire d'État, a poussé Martelly pour l'aider à gouverner. Même s'il était le numéro 5, miraculeusement, il a occupé le pouvoir. C'est le président du Conseil électoral qui l'a dit. Miraculeusement, Martelly a été numéro 1. Il est devenu alors. On a fait de lui le chef d'État. Et ce qui s'est passé, c'est que le nom de Tep Kale, qui est le nom du parti,
Donc, c'est un parti fasciste. Une organisation fasciste qui a été créée. Donc, qui rassemble les droitiers, les fascistes, tous les éléments fascistes, donc, avec l'oligarchie. Et c'est comme ça que les créateurs, la classe dirigeante, c'est comme ça que Martelly est devenu président. Et maintenant, après 5 ans de pouvoir, Jovenel Moïse est devenu président parce que, donc, ils l'ont. C'est un exploitateur de bananes. Cette fondation de bananes a été volée, donc expoliée, donc volée, arrachée chez la population locale en les chassant. Donc l'exportation de bananes n'était que un conteneur de 20 pieds, même pas 40 pieds, donc a été vendu en Allemagne. Et la presse a fait une grande histoire sur ça pour dire que ce monsieur est un exportateur de bananes. Et ce que nous avons vu donc continue donc de se poursuivre. Donc on a assisté à un déclin en termes de salaire, en termes de conditions économiques des gens, plusieurs indicateurs de santé donc ont régressé. Donc alors le core group c'est quoi? Donc Béatrice a parlé donc de l'activité politique et économique. Lorsque j'ai parlé l'autre jour, vous avez clairement dit que rien ne se passe en Haïti sans la main des États-Unis. Margaret, est-ce que vous pouvez nous dire c'est qui le core group? Est-ce que nous avons compris le niveau donc qu'ils ont atteint sur Haïti? Pour comprendre cela, donc j'aimerais donc emboucher la même tempête que de vous. On va parler des élections haïtiennes. Demain, élection en griffe, parce que ça fait partie du rôle du core group. J'étais là dans le cadre de Pierre aussi était là. Donc, avec cette première élection que Jovenel Moïse avait gagnée, je peux vous dire que African Rising, Walter et à toutes nos audiences, qu'il y avait personnes qui essayaient de voter, mais je peux vous dire combien de personnes n'ont pas pu voter, donc qui ont été renvoyées. Donc, les gens qui ont voté donc au même endroit, donc en fait, je veux dire que c'était fou, de fou. Et je dois dire que ce qui se passe donc aux États-Unis sur la loi de la suppression du vote, donc vous pouvez vous mettez sur stéroïde pour voir ce qui se passe donc sur le terrain Haïti pour que le core group vienne à parler du rôle de Hillary Clinton et sur l'élection de Martelly. Mais c'est le core group qui a sélectionné Jovenel Moïse. Donc cette élection a été très de marquée par de la fraude. Il y a eu des bulletins, des urnes, de bulletins. Donc il y a eu de fraudes, telles que documentées par les organisations des droits de l'homme. Cela ne s'est pas arrêté. Donc ce core group a appuyé Jovenel Moïse. Mais je voudrais parler du rôle des États-Unis, parce que on peut parler donc du Canada, on peut parler de la France, on peut parler de tout le monde, même pas. Donc, ou les Royaumes-Unis, etc. Appuyer le programme du core group. Mais les États-Unis ont essayé de manipuler les choses depuis la révolution haïtienne. Parce que souvenez-vous que pendant 60 ans, les États-Unis ont refusé de reconnaître la République haïtienne. Donc, c'était des dizaines d'années avant dans l'émancipation. Ils ont protégé les entreprises américaines et ont envahi la République haïtienne. Donc, 19 ans d'occupation. Donc, ils ont volé des millions de dollars des banques haïtiennes et ils l'ont déposé au niveau de Citibank. Ceux qui ont des comptes dans Citibank aux États-Unis aujourd'hui, donc, vous pouvez voir comment
le rôle continu des États-Unis. Donc ce rôle continue today, because bon, pour vous donner un exemple rapide, hein. Donc l'une des visites que j'ai rendues en Haïti, donc c'est après que j'ai été donc impliqué donc dans nous étions la communauté internationale. Ce massacre a été documenté par le gouvernement haïtien, Pierre Afeka, parce que Walter Wright était là, donc d'autres délégations de droits de l'homme étaient là, et donc nous sommes rendus à l'ambassade américaine. L'ambassade américaine en Haïti, c'est l'une des plus grandes ambassades du monde. Donc il y a du mal partout. Donc si Haïti est si pauvre, pourquoi US presence, que, donc une forte présence américaine comme ça, je veux dire que c'est massif. L'ambassade est massive. Tout genre de personnes viennent pour donc voilà lutter avec moi. Nous savions à cette époque déjà que l'histoire qu'ils promeuvent dans la presse est promeuve par pas encore que le problème en Haïti, en fait, concerne les gangs. Nous savons que c'était les gangs. Nous savions que c'était l'émergence de l'équipe paramilitaire. L'ambassadeur américain, donc c'est ça qui maintenant est devenu, a été promu donc, dans l'administration de Biden. Donc il dit que bon, ça, c'est une guerre entre les gangs. Mais comme nous l'avons entendu de la bouche de certaines personnes à l'ambassade qui murmuraient et partageaient l'information, nous partageaient l'information, ils savaient très bien que c'était, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. En fait, en effet, ils ont formé la police haïtienne, l'armée haïtienne. Donc les États-Unis, ont participé, les coopérations multinationales comme l'EVA, comme le Disney Corporation, Walmart, etc. Ils ont des intérêts. Donc ils ont empauvri les populations haïtiennes. Donc, comme l'ont fait les travailleurs, donc surtout donc les gens de la côte orientale des États-Unis. Donc ils dépendent donc, de l'approvisionnement de la population haïtienne. Pendant ce temps, donc les Clinton ont aussi approuvé. Donc il y a beaucoup de choses à dire concernant cette guerre, mais je voudrais simplement dire que je serais donc très peu de choses vont passer sur Haïti, surtout avec ce mouvement. Donc à partir du coup, etc. que donc, la main des États-Unis est très bien là-dessus. Donc, nous avons donc des gens comme Maxine Waters, de l'Europe de Congrès, qui essayent donc de s'opposer au genre de rôle négatif que les États-Unis ont joué sur Haïti. Donc, cela se passe encore aujourd'hui. Dans la liste de demandes qui est à court. Donc, il y a quelques questions. Donc, concernant le core group, y compris l'Allemagne, le Brésil, le Canada, la France, l'Union européenne, les représentants des Nations unies, donc, on peut parler donc, de OES après, mais c'est plus vaste que cela. Donc, ils ont des relations directes avec les financiers, avec l'IMF, la FMI, etc., les universités privées, etc. Donc, on peut parler donc, du rôle de core group. Quelqu'un a posé la question de savoir, les enfants de Juvenal Moïse, donc il y a 3 enfants, donc selon les rapports que j'ai entendus, donc ils sont en sécurité, donc nous allons vous informer. Donc maintenant, nous allons aboutir à une discussion comme Pierre l'a dit hier, donc la masse, la population haïtienne. Nous allons parler au niveau donc de violence que vous sur le terrain Pierre avec Vaseline et Walter Wright. Donc nous savons aussi que les activités des Nations Unies à Citolé, il y a des questions qui ont soulevé par rapport au groupe
donc de qu'on appelle barbecue, nous qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, donc la flambée du prix de l'essence ou du pétrole, etc. Oui, bien sûr, l'une des choses qui s'est passée, c'est l'exploitation continue des Haïtiens depuis donc le mois du kidnapping. Donc jusqu'à présent, ma population majoritaire a été spoliée. Donc c'est tout comme si on pressait le jus d'une orange. Donc nous avons été super exploités. Nous n'avons rien en retour pour tout le sang et la sueur qui suffit de la population. Donc, cette situation se poursuit à présent avec ce genre d'exploitation. Donc, il y a des sociétés qui sont des sociétés américaines qui viennent s'installer pour polluer l'environnement sans payer pour le système de sécurité sociale qui existe en Haïti. Mais au lieu que ce soit les travailleurs qui en profitent, encore c'est les élites qui en profitent. Des tonnes de monnaie, d'argent à très faible intérêt, pour qu'ils puissent maximiser leurs profits, pour que les travailleurs puissent bien se donner les moyens d'envoyer les enfants à l'école ou de se permettre les soins de santé. Et en Haïti, c'est très cher, même si la Constitution dit que l'écolage, l'éducation doit être gratuitement disponible pour les enfants. Donc, c'est ce que nous disons. Je vous joue dans le pays. Les gens résistent, la population résiste et se soulève continuellement et n'accepte jamais. C'est pourquoi, dans les médias, même dans les médias de gauche, on parle de la marche qui se poursuit. Même pour les enfants dans les rues. Haïti, c'est une société où les enfants ne sont pas éduqués. Ils sont au point de ce qui se passe. Ils sont dans les rues pour lutter pour la libération. Donc, vous avez des enseignants qui n'ont pas été payés depuis longtemps. Donc, mais ça dans le contexte. Donc, cela a été estimé qu'il y a plusieurs estimations. Donc, 11 millions de dollars, on ne sait pas le montant exact, parce que les gens qui sont... depuis Bill Clinton, vous avez donc ceux qui sont responsables de CILH. Ils n'ont jamais été redevables. Il y a 4,2 milliards de dollars, selon le tribunal qui a investigué. Donc, 4,2 milliards de dollars se sont évaporés. Aucune école n'a été construite. Les anciens ne recevaient pas leur salaire. Donc, les enfants de 10 ans, de 11 ans, de 9 ans, sont là et qui marchent. Donc, voilà la situation. Donc, c'est le contexte dans lequel Haïti vit. Donc, c'est inexcusable. Et les gens ne vont pas baisser la garde dans leur résidence, que nous sommes des êtres humains, que nous devons avoir accès aux services, non seulement à l'argent, mais l'argent auquel les populations contribuent aussi. Où sont ces fonds? Les populations exigent la redevabilité, la réduction des comptes. Donc, c'est pour cette raison que dans le cadre de l'occupation des Nations Unies et dans le cadre de leur police, ils ont formé la police haïtienne pour ne pas servir la population comme il se doit, mais demander d'assassiner les Haïtiens. Et en plus de cela, la police a formé et travaille avec des gens comme Jenny Barbecue, c'est un surnom, un sobriquet. Donc, ils ont des gangs, on les appelle les gangs. Donc, c'est fait à dessein pour qu'ils puissent détruire les gens. Donc, lorsque vous voyez les gangs, vous savez que c'est des gens qui,
C'est des criminels que le gouvernement lutte, mais ce n'est pas vrai. C'est pour distraire l'attention. Donc, ce sont des affiliés du gouvernement. Donc, le gouvernement les finance, donc avec les armes et les ressources pour réprimer la population. C'est ça la situation. Margaret, lorsque vous envoyez Lasseline, donnez-nous une représentation, une idée de la dynamique de violence. Donc, qui s'exerce sur la population haïtienne. Il y a des rapports provenant donc des avocats nationaux qui ont également visité cette loi, partagé avec nous donc des perspectives sur le terrain. Oui, également, j'espère qu'on peut partager des liens. Nous avons donc fait 3 vidéos que nous pouvons partager. Donc, le massacre de Vaseline, mais également 2 autres vidéos sur la protestation qui s'est passée sur le terrain en prenant en compte donc, nos vies et nos récents nos vies pour couvrir. Donc, c'est des occasions donc, où les journalistes ont été abattus. Donc, c'était une situation très volatile. Mais Vaseline, pour vous donner une idée du rôle que Vaseline jouait, donc ce quartier, traditionnellement, a une histoire de résistance. Donc, c'est là où il y a donc, beaucoup de navires qui venaient. Donc, il y a beaucoup d'esclaves. Donc, le marché d'esclaves se trouvait là. Donc, ça a été donc un lieu, un endroit de résistance. Nous allons repartir au jour de la révolution. Et beaucoup de protestations contre le feu juvénal Moïse et son prédécesseur Martelly. Donc, les gens se rassemblaient dans ce quartier de Lasseline. Donc, la protestation donc, se répandait sur Port-au-Prince et gagnait tout le pays. Donc, juvénal. L'administration de Moïse a un intérêt marqué pour supprimer donc, de la population de Lasseline. Donc, je dois dire que ce quartier de Lasseline, donc, un certain nombre de communautés qui ont été victimes de ce coup, donc, sont également fortes donc, des supporters de Lavalas. Le mouvement de Lavalas et le parti de Lavalas, le responsable de Lavalas, en fait, c'est l'ancien président de Haïti, Jean-Bertrand Aristide. Et je dois dire que, Walter, que chaque voyage que j'ai rendu en Haïti, y compris ma dernière visite, je ne peux pas vous dire l'amour de la population haïtienne à la base et le respect qu'ils ont pour Jean-Bertrand Aristide. Et je voudrais seulement me dire ça parce que le message que j'ai compris de leur part, c'est que il leur appartient. Donc, il comprend les populations haïtiennes. Le langage qu'ils parlent clairement reflète que il y a une relation symbiotique avec la population haïtienne. Et encore aujourd'hui, lorsque j'étais à Lasseline en courant, donc dans ça, les gens montraient la maison qui a été construite pendant l'administration de Jean-Bertrand Aristide. Et ceux qui vivent dans cette maison, en fait, sont attaqués à présent. Mais pour décrire ce que nous avons vu, les gens nous ont décrit que ceux qui viennent dans leur communauté, qui entrent avec les véhicules de police, certains ont pensé que c'est bon, c'est de la police, les policiers qui veulent les aider, mais c'est ce qu'ils ont fait plutôt. C'est une série de massacres. Donc, il y a plus de 70 personnes qui ont été tuées. Mais je ne parle pas simplement des tueries, simplement. Donc, prendre une arme et abattre quelqu'un, je parlais de la terreur. De la terreur, en fait, qui fait penser au jour où le colon a utilisé la terreur contre les gens, contre les esclaves, donc pour brûler les gens vivants, donc en les hachant, en les découpant, où une femme enceinte a été brûlée vive. Donc l'odeur était nauséabonde et pestilentielle. Voilà, donc nous devons dire au monde ce qui se passe
sur nous. Donc, surtout, c'est donc, le mouvement de Black Lives Matter, donc la vie des Noirs compte. Donc, nous savons que si Haïti n'est pas libre, aucun Noir ne sera libre. Aucun Noir, quelle que soit sa race. Donc, je pense au continent africain. Donc, si les Africains ne sont pas libres, aucun d'autre ne sera libre. Donc, ce mouvement a commencé avec la réponse des Nations Unies, des États-Unis, et ce que le COG vous fait. Donc, ils sont en fait ceux qui sont en charge. Donc, ceux qu'on appelle un choc. Vous avez raison pour dire que c'est un groupe vaste. Nous avons parlé à une mère, donc dont tout le corps a brûlé, a été cassé. Elle, parce qu'elle l'a regardé. Donc, parce qu'on a tellement tué son enfant, mais on l'a coupé, découpé. Donc, des gens disent que vous ne devez pas montrer les victimes, vous ne devez pas montrer ses corps, vous ne devez pas raconter ses histoires. Mais pourquoi pas? Les gens doivent savoir ce qui s'est fait, ce qui s'est fait chez nous, ce qui s'est fait là-bas, en utilisant donc les impôts. Donc, ce qui se fait au nom du COG, aux Nations Unies, lorsqu'ils donnent, présentent, ils trompent les gens, ils allèguent de vouloir venir aider les gens, mais ils les exploitent. Donc, j'encourage les gens à voir cette vidéo. Donc, une dernière chose que je dois dire, Walter, c'est que lorsque une communauté est attaquée, lorsque les maisons sont brûlées, lorsque les populations sont déplacées, donc lorsque vous avez beaucoup de gens qui sont tués, beaucoup de viols, je peux vous dire que lorsque les résidences et les communautés sont brûlées, sont détruites, donc je pense que c'est les enfants et les femmes qui est prêt le plus lourd. C'est les femmes qui essayent de garder, de protéger leurs enfants, de protéger leur communauté, et qui sont aussi dehors là, qui veillent à ce qu'il n'y a rien que les enfants soient à manger. Les femmes qui n'ont rien à manger, les enfants non plus n'ont rien à manger. Et donc, les gens sont là dehors. Donc, je ne veux pas qu'on perde de vue le rôle central que les femmes ont joué. Et la crise, donc dans cette crise, j'ai parlé à une femme qui était dans la vidéo, qui a un jeune enfant, un bébé, qui a dû fuir donc, du quartier de la Solide. Étant donné qu'il n'y a pas d'idée, donc il ne pouvait même pas un peu allaitée, parce qu'elle était même malnutrie elle-même. Donc, quelqu'un qui doit allaiter, qui n'est pas nourri, qui n'a rien, qui est mal nourri elle-même, vous voyez ce que le drame. Donc, vous voyez, donc c'est un rôle central que la femme doit jouer. Donc, nous faisons beaucoup de choses pour appuyer les femmes. L'horreur, donc c'est que j'encourage les gens de ne pas fuir. Nous devons faire face à la brutalité. Donc, nous faisons face à ce qui se passe en Haïti, parce que Haïti également a vécu cela. Donc, merci. Nous allons combattre le African Riding. Donc, je crois que African Rising a fait beaucoup de travail au Kenya. Donc, le réseau a été bâti, le réseau panafricain. Nous voulons maintenant, pendant 30 minutes, aborder cette discussion. Il y a quelque chose dont je voudrais parler ici, Pierre Margaret. C'est la déclaration de la communauté, du comité. Haïti, je crois que je parle de résistance à la terreur policière, donc des Blancs. Donc il y a solidarité entre les Africains, la population africaine et les populations haïtiennes. Également, il y a une liste de demandes. L'opposition contre l'élection de
général Moïse, mais le contre sa dictature. Donc, je soulève cela parce que savoir comment est-ce que nous allons nous écarter, nous éloigner de cette histoire qui est une mauvaise. Donc, leadership, mauvais leadership, une histoire de barbecue, une histoire de Moïse. Où est-ce que donc les gens, donc quels sont les points où nous pouvons nous réunir pour nous assurer que c'est une conscience continue de notre communauté pour la défense des droits de l'homme. Pierre, allons-y d'abord. Donc, l'une des choses, je suis heureux de parler de la liste de demandes. Donc, nous voulons briller. Nous voulons être les maîtres, non seulement des marionnettes. Parce que ils sont directement, ce sont les agents de la répression et de la guerre contre les Haïtiens. Donc, cette guerre est entassée par l'ancien colon. Et donc, cela se poursuit, donc, tel que par les États-Unis, la France, etc. Donc, ils fournissent les armes, ils coordonnent les activités et donnent les ordres. Donc, à ces gens-là, pour assassiner leur population, donc, les femmes et leurs enfants. Donc, nous voulons, en tant qu'Haïtiens, nous voulons dans le retrait de tous les Américains et les forces des Nations Unies, même si Jovenel Moïse a été assassiné, donc le dictateur n'existe plus. Mais le système dictatorial que les colons ont établi existe toujours. On veut mettre un terme à ça, à cette dictature. Je sais que les États-Unis poussent, pressent pour les élections et référendum. C'est une honte. Donc, cela va perpétuer le système. Donc, ils savent, ils s'en foutent par rapport à ce que les Haïtiens font. Ils savent que donc, nos populations n'y croient pas. Mais c'était pour la vie des gens. Donc, je vais vous dire que lorsque les Haïtiens ont organisé les élections qui ont été menées, lorsque l'Haïti démocratique, conduite par les Haïtiens, on avait. Donc, c'était une voix, une personne, une voix. Donc, cela aboutit à l'élection de Jean-Baptiste Aristide, qui a exécuté le programme des populations, le programme donc, de famille Lavalas, qui elle a publié dans une book qu'on appelle Investir dans le mais. Investir dans les personnes donc, qui consiste à profiter de la ressource nationale pour créer des bénéfices aux populations. Et c'est ce qui se passait pendant les années du gouvernement de Lavalas. Donc, nous avons eu des hôpitaux, des écoles ont été construites, environ 200 écoles primaires, près de 20, donc 200 écoles de lycées ont été construites. Donc, imaginez, ces enfants n'avaient pas d'école. Dans beaucoup de zones rurales en Haïti, où les enfants ne peuvent pas aller donc, au collège. Donc, ils doivent quitter leur famille pour aller très loin, donc dans une grande ville, pour aller à l'école, au collège. Ces écoles sont bondées de monde. Donc, il y a très peu d'enfants qui allaient à l'école. Donc, c'est ça. Le président Arassis et le gouverneur Lavalas a créé toutes ces écoles. Les soins de santé ont été créés dans la distribution foncière. Donc, les domaines qui appartenaient à l'État, donc, qui n'étaient fournis que de grands noms, mais qui avaient des relations. Donc, aujourd'hui, ils sont, même les fermiers ou les agriculteurs ont accès aux fonciers. Donc, les familles de la droite ont tué les paysans et ne les cultivent même pas, n'exploitent même pas les terres. Donc, ou bien donner les terres à Coca-Cola ou les films de ce genre-là. Donc, c'est de cette manière que les Haïtiens ont fui. Donc,
Donc, c'est bien lorsqu'ils sont donc, sur les... Il est important qu'on appuie les soeurs et frères qui ont fui. Ils ont besoin de notre appui dans cette lutte. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et l'une des choses que je veux vraiment que les gens disent, down the throat of the Haitian people, those phony and sham elections. Now they have picked a date of September 26th. And I was listening to Radio Timon, which is a radio station of the movement in Haiti. And people are saying, no, we don't want this. Les gens disent, non, on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est un gouvernement. On veut une proposition de Famila Valas, un gouvernement public où les gens sont en sécurité. Il est important de comprendre cela, et d'avancer vers ce que nous demandons. Et donc, c'est un gouvernement de sécurité publique. C'est un gouvernement honnête, un gouvernement de très bonnes personnes qui pourront vraiment se mettre au service du peuple, qui pourront former des gens et nous aider à avancer en tant que nation. Haïti a besoin de bâtir ces institutions démocratiques, les gens qui arrivent à participer dans la vie de leur pays. Ces types d'institutions doivent être débattues, doivent être mises en place afin qu'ils puissent prendre en compte les besoins de la population. On a besoin d'un gouvernement de sécurité et c'est à la suite de cela qu'on va pouvoir aller vers des élections. On va pouvoir organiser de bonnes élections où cela permettra aux problèmes haïtiens, le problème des femmes, des hommes de Haïti, de pouvoir dire et faire ce qu'ils souhaitent voir pour leur futur et pour leurs enfants. Est-ce que vous voudriez faire un point en arrière? Et parce qu'il y a de la désinformation, il y a de l'information, on parle du barbecue qui vient de tel endroit, donc il y a de la désinformation et que c'est simplement les mauvais dirigeants, etc. Mais vous venez de nous dire exactement ce qui se passe. Il y a des connexions. Comment est-ce qu'on peut vraiment créer les connexions qui permettent de mieux appréhender les questions de droits de l'homme? Il y a un certain nombre de gens, il y a Africans Rising, à un réseau. Donc, comment est-ce qu'on pourrait profiter de ce moment-là actuellement et qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer? Et je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et je voudrais donner quelques exemples de ce qu'on a fait. Le barbecue a été utilisé. Je voudrais que les gens comprennent qui est barbecue. Était un officier de police qui avait eu ce nom. Donc, c'est pas simplement des communautés qui ont été attaquées, qui ont été massacrées. Et donc, des communautés qui ont été massacrées. Donc, c'est des gens qui ont vu les abus contre les hommes et c'est là où on lui a donné ce nom. Il n'a pas été arrêté, il est toujours libre. Et ce policier qui a massacré les gens est toujours libre de mouvement, etc. Donc, c'est qu'il est soutenu et tout ce qu'il a eu à faire de mauvais, tout ça n'a donné droit à quoi que ce soit. Donc, il a un soutien des autorités. Et Barbecue est en train d'être réhabilité. Il y a des gens qui fuient, il y a des journalistes qui fuient, des gens qui se cachent. Et je suis désolé si je suis en train d'offenser quelqu'un. Il y a des journalistes qui sont en train de fuir et il a formé un groupe qu'on appelle le G7. C'est une coalition de ces gens qui organisent des conférences de presse. Et il y a un certain nombre d'opérations qui se font pour créer la confusion et confondre le gouvernement de
des progressistes au niveau des États-Unis ou en Europe. Et c'est bon qu'on soit au courant. Donc, on doit faire attention. On doit faire attention à ce que nous faisons. On doit faire attention à qui nous parlons, etc. Et c'est pour ça que l'action en Haïti ne marche pas. Donc, on doit faire suffisamment attention. On a vu les connexions qu'il y a au niveau du terrain, le gouvernement, le mouvement Lavalas dans la rue, etc. Et je voudrais mentionner un certain nombre de personnes qui peuvent soutenir les actions en Haïti et les informations. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe sur le terrain à Haïti, il y a beaucoup de nouvelles voix qui veulent porter. Et je suis désolé de vous dire ceci. C'est comme une sorte de solidarité, une solidarité haïtienne. Et donc, il y a cette solidarité qui se développe aux États-Unis, des gens de bonne, des gens qui ont vraiment une bonne voix, qui essayent de porter leur voix et ils essayent de voir qui il faut écouter, qui il ne faut pas écouter, etc. Donc, il y a un besoin important pour qu'il y ait une implication publique et qu'il y ait ce gouvernement de solidarité publique. On doit faire attention et on doit éviter ces types de réseaux qui ne sont pas en réalité en train de travailler pour la libération d'Haïti. Il y a eu Fort Kevid qui était sur Twitter et il y a Walt, le journaliste Walt. Donc, ces gens ont dit des choses qui n'étaient pas justes. Donc, on doit être responsable de choisir, on est responsable de ce que nous choisissons. Donc, il ne faut pas aller choisir peut-être des gens qui ne sont pas vraiment dans la logique du bien. Ça, ce n'est pas la bonne solidarité. Donc, il faut savoir prendre parti avec ceux qui veulent vraiment la libération de Haïti. Et quand quelqu'un est retourné d'exil, il a voulu se focaliser sur l'éducation, il a voulu travailler au développement d'une université. Donc, il est venu, il a rouvert son complexe et ils ont un certain nombre de remises de diplômes actuellement. Donc, je ne peux pas en parler. Donc, on a besoin de former la nouvelle génération d'Haïtiens, des gens qui vont avoir les compétences pour servir le peuple haïtien. Il ne faut pas que ce soit seulement des gens qui quittent Haïti et qui vont plutôt ailleurs vivre une bonne vie. Donc, on a besoin des gens qui sont là, qui construisent des universités médicales, des gens qui veulent vraiment contribuer au développement et que les fonds qu'on a conduisent à des projets sur le terrain, des projets qui aident la population. Et aussi qu'on a besoin de chercheurs dans les universités tout au long de la diaspora afin qu'ils puissent soutenir le travail qui se fait à l'interne. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de méthodes pour pouvoir soutenir, pour pouvoir manifester la solidarité aux Haïtiens qui vivent dans le pays, pour le droit des femmes, pour le droit des enfants, afin que ces femmes et ces hommes puissent se libérer du jour qui est. Ne vous laissez pas confondre, ne vous laissez pas éconduire par ceux qui plutôt veulent servir l'intérêt des colons. Donc, on a parlé de la face de l'oppression noire. Dans le Caraïbe, on sait que l'ennemi peut avoir une double face. Donc, quand vous êtes en train de protéger une culture qui a toujours été attaquée, une culture et tout ça, on peut se retrouver être dans la défensive. Mais il faut savoir que la révolution haïtienne a été multiraciale, a une révolution multiforme, et que l'ennemi peut avoir une face noire et barbecue, etc. Donc ça, parfois, ils utilisent la face des Noirs pour. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes Noirs que nous sommes en train de mener le bon combat.
Merci. Je crois qu'on a à peu près 20 minutes qui nous restent et je voudrais soulever un certain nombre de questions dans l'esprit du réalisme du panafricanisme. Après 77% des gens sur le continent ce sont des jeunes, voilà, des jeunes qui entendent parler de Haïti et deux choses. Haïti n'est pas un pays pauvre. Je voudrais que vous dites quelque chose à ce sujet. Haïti n'est pas pauvre. Donc, ils sont riches en histoire, ils sont riches en ressources, en patrimoine, etc. Mais je voudrais qu'on puisse renforcer que ce n'est pas un pays pauvre. Et je voudrais que vous en parliez. Et l'une des choses que Moïse a eu à faire, c'est de s'assurer qu'il a rejeté Madio. Donc, je voudrais que vous parliez donc rapidement de la perspective régionale pour que les gens qui ne sont pas très conscients puissent connaître c'est quoi Haïti. Des gens qui pensent à Cuba, qui pensent à la Colombie, qui pensent à la population cubaine, et les gens qui voient, qui parlent des mouvements, les mouvements des droits de l'homme au Cameroun, au Ouganda, en Éthiopie. Est-ce que vous pouvez parler de ces deux choses, que Haïti n'est pas un pays pauvre, et quel est le rôle que Matlé et Moïse ont joué? Merci. Pierre? Pierre, voulez-vous en parler? Oui. J'ai quelques difficultés ici. J'ai bien entendu votre question et je voudrais en parler. Haïti, comme je l'ai dit, est riche de ressources et j'ai parlé d'investir dans le main, dans la formule Lavalasse. Il y a beaucoup de gens qui se disent Haïti est pauvre, Haïti est pauvre. Mais en réalité, on ne fait que dire ce que les colons disent. Et le président Aristide et la formule voilà sont venus nous révéler le contraire. Donc, ils ont mis un programme dans le livre et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ressources. Et malheureusement, les Haïtiens n'ont jamais su cela. Ils ont mis tout cela dans le livre et cela a permis à beaucoup de gens de savoir. Donc, quelqu'un qui faisait partie, quelqu'un a dit que Haïti est l'un des pays les plus riches et que ce n'est pas le pays le plus pauvre, comme on le dit dans les médias. Ce n'est pas vrai. La connexion de l'orateur est un peu mauvaise. Apparemment, on n'entend plus l'orateur. Apparemment, il a perdu sa connexion et on pourrait continuer. C'est sûr qu'on pourrait vous reprendre tout à l'heure. Kumba, je ne sais pas si elle veut poser une question. Est-ce qu'il y a des secteurs où on doit soutenir? Je sais que les comités se sont mis en place pour aller vers le Congrès. Ils ont le soutien de l'élu Maximod. Est-ce qu'on doit s'engager avec les représentants des Nations Unies? Est-ce qu'il faut... On a vu les nombres, les effectifs par rapport à la COVID et il semble que la vaccination n'a pas été possible. Où est-ce qu'on peut vraiment se positionner par rapport à la justice? Oui, je suis de retour, oui. Est-ce que je peux continuer mon développement? Haïti a toutes ses ressources et ses ressources ont été volées. Et si vous avez un gouvernement qui est pauvre, cela permet que tout le reste puisse prendre forme, aller au niveau international. Donc là, vous n'arrivez pas à commander, vous n'arrivez pas à vraiment profiter de vos ressources et cela ne profite pas au peuple. Et je voudrais faire allusion à cela quand le président Aristide était au pouvoir, à son deuxième mandat en tant que président.
Il y a eu beaucoup de contrats qui ont été signés et pour donner l'or de Haïti. Quand il est revenu, il a dit jamais qu'il ne va pas continuer ces contrats-là. Ces contrats ne sont pas allés au Parlement, etc. Ça a été des contrats, pas décrets. Et c'est pour cela qu'on a voulu avoir un référendum pour que le président puisse mieux gérer les ressources la condition dit que la richesse de Haïti appartient aux Haïtiens et que normalement le Parlement doit se prononcer. Et je crois que le président Aristide a dit qu'on ne va pas permettre ces décrets et ces contrats-là ne vont pas marcher. Donc, parce qu'ils ne sont pas passés par la procédure d'approbation par le Parlement, etc. Donc, il y a autre chose que je voudrais dire et qui m'est très cher. Je sais que African Rising parle de panafricanisme. Haïti lui-même est un exemple de panafricanisme. Parce que nous venons de différentes parties de l'Afrique de l'Ouest. Les gens ont parlé de 21 nations. Donc, c'est une référence à toutes les nations d'Afrique et des gens de différentes parties qui se sont retrouvés ensemble et qui ont demandé une révolution. Et là, ils ont besoin, après la révolution, qu'ils ont nommé cela Haïti, à la victoire de cette révolution. Donc, je crois que l'Haïti a compris cela très vite. Et c'est bon que la jeunesse puisse comprendre également cela, parce que depuis que nous sommes devenus indépendants, nous avons déclaré Haïti comme une nation qui incarne toutes les personnes qui sont opprimées. Et si vous venez en Haïti, normalement, personne ne pourrait vous envoyer en esclavage. Et on a parlé de Cuba juste pour faire une comparaison entre Haïti et Cuba. Et ce qui... La guerre en Angola où le Cuba est intervenu, où ils envoyaient quelqu'un en se disant qu'il faut soutenir l'armée pour que l'armée travaille avec l'armée africaine. En ce moment-là, les deux tiers des esclaves en Haïti étaient nés en Afrique. Ils savaient où est-ce qu'ils voulaient aller. Ils avaient une vision de la solidarité. Et c'est dans cet esprit là, qu'après la révolution haïtienne, les Haïtiens, les révolutionnaires tels que Bolivar, tels que les forces cubaines l'ont fait en Angola et en Mozambique, ils sont allés en Afrique pour aider leurs frères qui étaient en prison dans plusieurs pays de l'Amérique et dans les îles dominicaines. Donc, la même chose s'est passée là-bas. Et Haïti a été déterminé à mettre fin à l'esclavage et au colonialisme, parce que le colonialisme est considéré comme de l'esclavage. Et le coup d'État de 2004 a été conduit par des blancs, des racistes. Donc, c'est une mascarade intellectuelle et des chercheurs qui utilisent les universitaires pour mentir ou ils utilisent la peine de nos peuples pour se faire un nom. Malheureusement, ils ne sont pas comme le président Aristide qui se débattent pour la justice et pour la paix. Donc, chaque fois que vous parlez de Lavalas, je voudrais que vous puissiez lire un bouquin L'œil du cœur et le sous-titre, c'est de défi. Donc, on continue toujours par rechercher la route que doit suivre le pauvre. Aristide a écrit un autre livre, une réflexion philosophique pour la décolonisation mentale. Donc, actuellement, en Haïti, les gens ont cette campagne-là pour la décolonisation mentale, parce qu'on se rend compte que c'est les chaînes de notre esprit, ces chaînes-là nous confondent, qui ne nous aident pas. Et on est devenu victime de ces forces-là qui continuent de nous opprimer, de nous oppresser.
Maintenant, vous avez parlé de Pierre et vous avez dit, vous avez fait référence à Patrick Lumumba, etc. Et vous avez fait cette connexion avec African Rising. On a à peu près 10 minutes. On a beaucoup de gens qui viennent et on a des gens sur les plateformes Facebook, etc. On s'assure que cette discussion continue, même si après 8 semaines, etc., que c'est une conversation qui doit continuer, une discussion qui doit se poursuivre. Qui doit-on contacter? Quelles sont les stratégies? Qui doit-on contacter? Est-ce que vous pouvez mettre les contacts dans le chat? Je crois Global Exchange. Il y a un certain nombre de contacts dans le chat. Est-ce que vous pouvez parcourir le chat? Maintenant, Margaret, à qui doit-on parler si on veut intéresser? Et vous avez parlé d'un certain nombre de personnes déjà. Est-ce qu'il y a d'autres? Margaret et Pierre, on a à peu près 9 minutes. À qui doit-on contacter si on veut vous accompagner? Qui? Comment est-ce qu'on s'assure? Et Pierre, après vous, s'il vous plaît. Je crois que il y a l'action de le comité d'action d'Haïti qui je crois que haitisolidarité.net, c'est notre site web. Voilà, si vous voulez nous accompagner avec des fonds, j'ai mis l'adresse à action.haiti@gmail.com. Et si vous voulez également nous soutenir, il y a le fonds Haiti Emergency Relief Fund. Donc, vous pouvez aider là également pour faire des contributions. Faites attention dans le chat. Et je crois que Margaret va certainement ajouter quelque chose. Je voudrais également donner un exemple de ce qui se passe en termes de solidarité. Il y a l'organisation des juristes, il y a cette organisation des juristes qui a été en Haïti et ils ont écrit un rapport. Donc, voilà les choses que les gens ont besoin de faire. Et voilà ce que Aristide, le président Aristide, a fait. Ils ont ouvert Haïti pour le bicentenaire, pour la révolution, par rapport à la révolution haïtienne. Donc, ils ont demandé aux frères et sœurs du continent africain, de la diaspora, que ce soit en Europe ou en Caraïbes, pour qu'on puisse se mettre ensemble pour avoir une discussion en tant que nous, peuple, famille, pour unifier la famille, afin que la famille puisse avancer et pour retirer ces chaînes qui nous maintiennent dans la pauvreté, dans la misère. Et c'était là l'une des raisons du coup du militaire, du coup de Pierre, je crois que c'est difficile de parler de tout ça. Il y a assez d'émotions, il y a assez d'histoires, il y a beaucoup de choses. Pierre, on travaille avec un groupe mondial, on travaille directement avec Pierre. C'est un point de référence pour nous en termes de diaspora. Et nous faisons beaucoup de choses. On soutient les femmes sur le terrain, on soutient ceux qui sont intéressés par comment aider les femmes et les enfants. Donc, on aide les femmes au fond de soutien. Et je voudrais que les gens puissent nous soutenir financièrement. Beaucoup de gens dans le mouvement se disent qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut exprimer la solidarité. Allez sur le site d'Emergency. Allez sur le site, vous allez voir toute la liste de ceux qu'on a besoin et vous allez voir également les points de contact, tous ceux dont on a besoin. Et il y a un certain nombre d'activités sur lesquelles vous pouvez nous aider. Donc, des gens qui viennent en Haïti, qui viennent nous soutenir, nous aident à écrire une nouvelle page. Je n'ai pas parlé de CARICOM. Et le CARICOM, c'est la communauté caribéenne. Donc, Haïti est membre de CARICOM et CARICOM a un travail à faire parce que d'une part, il doit dire tout ce qui se passe en Haïti et il doit également s'assurer qu'ils ont
ils ont la délégation, le mandat pour faire un rapport sur Haïti. Et je crois que combat, vous allez pouvoir prendre le rapport qu'ils ont eu à faire et la déclaration qu'ils ont eu à faire par rapport à l'assassinat de Moïse. Je crois que CORICOM a offert également d'être utile et d'être sur le terrain pour travailler avec les gens sur le terrain en Haïti. Et c'est pour créer la transition, une période de transition qui va les aider à se repositionner. Et ce serait bon qu'on puisse vraiment prendre connaissance de ce que CORICOM a pu faire. Et il y a Black Caucus qui est un autre mouvement qui met la pression et Caribas fait partie du Black Caucus et il lui a envoyé une lettre leur demandant et les encourageant de pouvoir avancer. Aussi, il y a Congressman 11 ou 11. Et c'est quelqu'un d'autre avec qui on peut travailler. Il y a également un groupe d'élus qui travaillent au développement de Haïti. Je voudrais vraiment insister pour qu'il y ait des soutiens. Il y a beaucoup de besoins. Il y a des gens qui n'ont pas la santé, des gens qui sont tués, il y a des gens déplacés, etc. Et Pierre, je ne sais pas quand est-ce qu'il dort. Et il a beaucoup de pression parce que là, il connaît tous ses besoins-là et il reçoit des appels partout. Et je crois qu'il est nécessaire d'avoir des ressources financières. Et aux États-Unis, c'est le gouvernement Women's qui a contribué à ce fonds d'aide aux Haïtiens. Et actuellement, je crois que il faut le dire, on a besoin de fonds. OK, c'est un endroit où on a vraiment des besoins. Et si vous voulez vraiment soutenir, faites un don, soutenez les actions. Si vous avez également des compétences, je sais que African Rising est riche de talents. Donc, on aura besoin de gens qui viennent parler ou qui viennent participer aux discussions universitaires, etc. Donc, on souhaite que les gens viennent. On a, ils disent qu'ils ont même des endroits où ils peuvent héberger les gens qui veulent venir et aider les étudiants, aider dans les écoles. Donc, si vous ne pouvez rien faire et si vous ne pouvez pas faire quelque chose de concret, au moins faites un don. Je parle de soutien pratique au mouvement et je crois que il y a African Rising est également en train d'organiser quelque chose dans ce sens. Peut-être que on va en parler pour qu'on sache comment est-ce que cela. Et je crois que je voudrais soutenir mes sœurs et ceux qui se battent pour les femmes, celles-là qui s'assurent que Haïti est une priorité afin que ce que nous trouvons puisse vraiment servir, et quel que soit le centime que nous trouvons, tout ça est bien géré, et qu'on puisse parler de la gloire des Noirs comme cela a été par le passé. Il faut soutenir les femmes qui aujourd'hui sont dans cette révolution vitale qui est importante pour chacun de nous. Merci à tous. Merci à African Rising. Et je voudrais donner la dernière minute à Kumba Touré afin qu'elle puisse nous parler du fonds d'aide à Haïti. Donc, vous pouvez aller sur le site de Haïti Solidarity et là, vous allez voir un certain nombre de formations et de contacts. Vous allez également pouvoir faire un don, vous allez pouvoir vous inscrire pour faire partie des actions qui à venir le 24, et je crois que entre 15 heures. Permettez-moi de donner la parole à mon co-hôte et au coordinateur de African Rising, Kumba Touré. Thank you so much. Merci, Margaret et la voisine.
Je crois que chacun d'entre nous sur cet appel, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, ou que vous nous suivez, ou que ce soit plus tard que vous allez jouer et voir ce dont on a discuté, nous sommes ici et nous voudrions nous assurer que nous exprimons notre solidarité, la solidarité au peuple d'Haïti, des personnes qui se battent pour la liberté, pour la dignité, et où qu'ils soient sur le continent, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, où que ces gens-là se trouvent. Si vous vraiment croyez à la justice, si vous avez un sens de l'humanité, que vous soyez africain ou pas, je crois que c'est le moment que nous puissions vraiment marquer la différence pour Haïti. Merci, merci, merci à tous les membres d'African Rising et à tous ceux qui sont venus passer du temps avec nous et qui nous ont écoutés dans cette conversation. C'est juste une partie de ce qu'on peut faire. Continuons la lutte. Merci, merci. Thank you, Maurice. Merci à l'équipe d'interprètes et merci d'avoir contribué à l'organisation de cette session. Merci, merci, merci bien.